qui sont ces gens en gilet fluo qui réclament de l'argent et portent des drapeaux? Mais qui sont ces gens avec leur fumigène qui s'approchent en criant? Faudrait que je me souvienne, mais enfin qui sont ces gens avec leur mégaphone? Ils sont des millions, pourtant je ne reconnais personne. C'est un virus courant chez les présidents. Tout devrait s'arranger en quittant l'Élysée. Un symptôme politique de 5ème République, une forme radicale d'amnésie sociale. On m'a raconté que certains jours de fête, il m'arrivait de grimper sur le toit de leur camionnette. Il paraît que tout autour, ces gens-là m'acclamaient quand je faisais des discours. J'aimerais bien m'en rappeler, mais enfin qui sont ces gens avec leur mégaphone? Ils sont des millions, pourtant je ne reconnais personne. C'est un virus courant chez les présidents. Tout devrait s'arranger en quittant l'Élysée. Un symptôme politique de 5ème République, une forme radicale d'amnésie sociale. Pourquoi ces banderoles et ces autocollants? J'en vois même qui rigolent et je trouve ça inquiétant. J'ai peut-être un trou de mémoire, mais une chose est sûre, toute cette fumée noire est de mauvais augure. Mais enfin qui sont ces gens avec leur mégaphone? Ils sont des millions, pourtant je ne reconnais personne. C'est un virus courant chez les présidents. Tout devrait s'arranger en quittant l'Élysée. Un symptôme politique de 5ème République en phase terminale d'amnésie sociale. Nous donnons un signe d'équilibre à notre électorat en ouvrant la radio ce matin. Nous attendons que vous n'avez pas le droit. Mais je ne l'accepte pas. Ça suffit, cette façon de nous traiter. Mais enfin qui sont ces gens avec leur mégaphone? Ils sont des millions, pourtant je ne reconnais personne. Un de mes conseillers m'a dit tout à l'heure et ça m'a rassuré: sire, ce ne sont que vos électeurs.